pas le faire. Quoi? Le titre, c'est ça. Et le L majuscule. Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons sur une nouvelle vidéo de la Web TV et aujourd'hui au programme nous interviewons les filles du blog du collège Jean Moulin, Anaïs 5 et Suzy en 5e toutes les deux et pareil pour tous les membres du blog. Vous êtes toutes les deux les fondatrices du blog et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer le blog du collège? Alors en fait j'ai lu un livre où l'héroïne avait un journal et donc en fait comme je ne voyais pas beaucoup Suzy car on n'était pas dans la même classe, ça m'a donné l'idée qu'on le fasse ensemble pour qu'on se retrouve un petit peu dehors. Moi j'ai accepté parce que je trouvais ça une super bonne idée et puis en plus j'avais déjà aussi un peu l'idée d'avoir de faire un truc, faire un blog ou un truc comme ça dans le collège pour animer le collège et que les élèves ils se disent le collège c'est pas que pour travailler et qu'on peut aussi s'amuser. En quoi consiste le blog? Enfin, qu'est-ce qu'il y a comme article, comme chose? Sur le blog il y a des articles sur des animaux ou des reportages et il y a aussi des articles sur ce qui se passe dans le collège ou ce qui se passe dans la ville et enfin les choses qui sont importantes. Le blog c'est tous les lundis midi, on est à peu près une dizaine. Les articles qu'on publie, il y en a à peu près deux par semaine. On avait une présentation au du poker donc on va dire les origines quoi. Ouais c'est ça, on va présenter le poker comme voilà. Comment on peut avoir accès au blog? Comment on peut voir les articles? Malheureusement, on peut que le voir quand on est inscrit au collège. Parce que vu que c'est dans le collège Jean Moulin, les gens, il faut qu'ils aient un compte pour y accéder. Et du coup, si vous voulez le voir, inscrivez-vous au collège. Nous nous retrouvons avec deux autres élèves du blog, Ernestine et Lisa-Marie. Toutes les deux aussi en 5e. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le blog? J'ai eu envie de faire le blog pour apprendre des choses aux personnes qui le lisent et en même temps en faisant des recherches pour expliquer. Moi j'ai eu envie de faire partie du blog car tous leurs articles ça m'a donné envie de le faire et ça m'a permis d'apprendre plein de choses jusqu'à maintenant. Quand est-ce que vous avez rejoint le blog? Officiellement, c'était cette année parce que l'année dernière, j'envoyais juste mes articles à Madame Lortois et c'était elle qui les publiait. De quoi parlaient vos derniers articles? Mes deux derniers articles que j'ai faits, c'était sur les allumoirs et là, je viens de terminer un article sur Halloween qui va être publié normalement ce soir. Moi, mon dernier article, c'était un article sur le blog. Et il y en aura sans doute un deuxième. Ah voilà, c'était la Web TV en direct de l'activité blog. Exceptionnellement, nous avons mis le dernier article de Lisa-Marie et Ernestine sur le blog de la Web TV qui lui est visible par tous. Le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Salut!